Les Cambridge ont quitté l'Angleterre. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, le prince William et Kate Middleton se sont envolés pour un voyage officiel qui leur tient spécialement à cœur. Ce mercredi 9 février, le couple a atterri à Dubaï dans un vol commercial. Excité de se rendre pour la première fois aux Émirats Arabes Unis, le futur roi d'Angleterre a partagé une photo prise depuis son hublot sur son compte Instagram. Ravi d'arriver à Dubaï pour célébrer le Royaume-Uni à la Dubaï Expo et discuter de la question vitale de la collaboration avec les Émirats Arabes Unis et des partenaires internationaux pour parvenir à un monde plus durable avec Earthshot Prize et United for Wildlife, a-t-il écrit en légende. La première visite royale du duc de Cambridge à Dubaï a lieu à la demande du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. Ce jeudi 10 février, il assistera à la journée nationale du Royaume-Uni à l'Expo 2020 de Dubaï. L'événement devait initialement se dérouler il y a 2 ans, mais son ouverture a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Sur place, le prince William n'aura guère le temps de s'ennuyer puisque plus de 190 pays vont présenter leur culture et leurs innovations pour un monde plus durable. Au cours de sa visite, l'époux de Kate Middleton en apprendra également davantage sur les initiatives de protection de la faune dans la région. Il aura également l'occasion d'évoquer son prix environnemental, le prix Earthshot, et son initiative United for Wildlife, visant à lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Kate Middleton, ce voyage en solo qu'elle prépare le lien entre le Royaume-Uni et les Émirats Arabes Unis est profond et fort et la visite du prince William mettra en évidence et s'appuiera sur ces liens car il a l'occasion de s'engager avec de jeunes Émiratis, des dirigeants du gouvernement et des engagés. Écologiste, expliquait Kensington Palace. Il s'agit là du premier voyage officiel du prince William à l'étranger en près de 2 ans. Avec son épouse, il a voyagé pour la dernière fois à l'étranger pour une tournée royale en mars 2020, en Irlande. Les Cambridge ont voyagé à travers le Royaume-Uni lors d'une tournée de 3 jours en train royal en décembre 2020 et ont également passé une semaine à effectuer des missions à travers l'Écosse en mai 2021. Il y a quelques jours, Kate Middleton a annoncé qu'elle entreprendrait une visite en solo au Danemark d'ici peu, pour mettre en lumière sa fondation pour la petite enfance.